qui dégage une mauvaise odeur. Je pense bien que personne parmi nous ne dégage de mauvaise odeur. Mais nous gardons nos odeurs naturelles. Au point où que tu passes inaperçu. C'est ce que le Seigneur veut de nous, que nous passions inaperçus. Que tu ne frappes pas l'œil, qu'on ne dise pas, oh celle-là, oh celui-là. Bien-aimé, sois discret. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Nous ne voulons pas voir les femmes en pantalon. Nous ne voulons pas voir des femmes en colon, des femmes en cycliste, en mini-jupe. Vendredi, nous étions à Gaucherville. Nous avons croisé une famille de pasteurs. La grande fille du pasteur, les enfants, les jeunes filles, je pense bien, elles ont autour de 14 à 15 ans comme ça. Mais non, tu ne peux pas. Dans les pantalons, dans les bouteilles, dans les parfums, les mèches. Et alors que tu parles, les petites filles sont des disons, tonton, tu ne dis pas, ma maman s'y va rien le faire. Mais bien sûr, si ta maman ne respecte pas la parole de Dieu, elle ira le faire. Quel que soit son type de maman pasteur, je s'en fous que tu sois maman pasteur ou pas. Il ne regarde que sa parole. Non, j'ai dit si je veux. Jusqu'ici. Si tu veux te mettre nu, ne nous blague pas par derrière.
jamais changer. Nous ne voulons pas voir des colons sur la robe des femmes. Je passe ici pour me protéger. Tu te protèges contre qui? Quelle est toi aussi ton intention lorsque tu dis je me protège? Et tu commences, non, je vais mettre sous ma jupe. Après, non, je vais mettre sous pantalon. Après, tu dis non, il fait trop chaud. Et c'est cycliste seulement tu pars pour te promener. Tu te protèges alors contre qui? Tu vas porter cycliste seulement. Et puis tu vas porter un habit comme pour moi ici. Ça là seulement tu portes. Et puis tu passes cycliste en bas. Tu sors, tu es en train de marcher dans la rue. Ce jour-là, le jour où tu fais ça, ce que tu oublies, c'est que tout le quartier, c'est-à-dire tous ceux qui ont posé leurs yeux sur toi, ont couché avec toi. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Même le fou qui est en train de manger dans la poubelle, lorsque tu l'as dépassé, il a arrêté de manger, puis t'a regardé, il a aussi couché avec toi. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, si un homme regarde une femme dans l'intention de la combattre, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il n'a pas dit que cet homme-là soit lucide ou qu'il ne soit pas lucide. Il dit un homme, le fou, si l'homme qui t'a combattu, il a couché avec toi. Toi qui t'es copain, tu couches avec les gens seulement sans que tu ne le saches. Mais si tu veux pas être une fille qui n'a jamais connu de garçon, mais avec cet état, quand tu vas arriver devant le trône du Seigneur, toi, tu as commis l'impudicité, tu es la plus grande impudique de ton époque. Aïe Seigneur, mais comment j'ai pu commettre l'impudicité? Je n'ai jamais connu de garçon, il n'a jamais eu de copain, je ne me suis jamais marié, je me suis réservé. On t'a convoité par ton vêtement. On t'a déshabillé dans les cœurs. On t'a remis à nu dans les cœurs. Et à longueur de journée, avec ton état d'impudicité, oh Jésus, tu es bon. Pourtant, tu es dans l'impudicité. Tu excites l'impudicité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne voulons pas voir des vénus, des faux hommes avant toi. Nous ne voulons pas voir des fossiles, des lentilles de contact dans la maison du Seigneur. Lentilles de contact. Tu prends quelque chose dans un liquide dont tu ne connais même pas comment ça a été façonné. Tu mets dans tes yeux. Et lorsque tu es là, quand le soleil, quand il est midi, tu te places comme ça, tu fais clin d'œil, le gars voit tes yeux verts. Tu te positionnes ici, tu fais comme ça, il voit tes yeux rouges. Tu t'abaisses, tu fais comme s'il voit tes yeux oranges. Tu es en train de séduire. C'est la mode. Tu le fais à longueur de journée. Et penses-tu que tu fais ça contre qui? Contre toi-même. Contre toi-même. Parce que Jésus reste Dieu. Aujourd'hui, si tout le monde entier va en enfer, ce n'est pas pour autant que Jésus ne sera pas Dieu. Si toi tu descends en enfer, ça ne va pas enlever un iota à la divinité de Jésus. Si tu vis normalement, tu vis pour ton paradis. Si tu vis mal, alors tu vis pour l'enfer. Dieu reste Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne voulons pas voir, bien aimé, des femmes non voilées dans la présence de Dieu. J'ai lu un article hier que j'ai bien pris le temps de télécharger. Je n'ai pas tout fini. Où le monsieur parlait du voile de la femme comme si c'est la tradition de Paul. C'est une tradition de l'apôtre Paul. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Qu'elle mette voile ou qu'elle ne mette pas voile, ça ne coupe rien à son adoration. C'est ce que le monsieur explique. Et la personne va plus loin pour dire,
domination. Tu te sens esclave ici. Tu es une fois senti inférieur à un homme parce que tu as mis un poil sur ta tête. Est-ce les mèches qui font que tu te sens supérieur à un homme? Est-ce les pantalons qui font que tu es supérieur à un homme? Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu as déterminé les choses. C'est de la côte d'un homme que toi, femme, tu as été créé. Si tu veux, ne l'accepte pas. Mais alors, la force que Dieu a mis à l'homme est supérieure à toi, ta force. Quelle que soit la force de la femme, si elle n'a pas le Dieu, j'ai un marabout. Ou elle n'a pas dans sa famille un esprit guerrier qui la possède et qui l'amène à frapper un homme, quelle que soit sa nature, la femme n'a pas de force que l'homme. Quel que soit ce que tu fais, tu ne peux pas avoir de force que l'homme. Et il y a alors une barrière que Jésus-Christ est venu donc pour mettre ensemble. Lorsque nous sommes en Jésus et que nous assemblons ici, Dieu ne considère pas notre pensée pour agir, mais il considère la pratique de sa parole pour agir. Si tu veux réfléchir comme tu veux, si je ne veux pas de voir Dieu m'entend, c'est toi qui le dis. Si je m'agenouille pas pour prier, Dieu m'entend, c'est toi qui le dis. Ce que le Seigneur cherche, c'est qui est écrit ici. Fais tout ton possible pour obéir à ça. Fais tout ton possible pour obéir à ça. Si tu n'obéis pas, ma chère, mon cher, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Le voile n'est pas signe d'esclavage pour la femme. Je le répète, voile n'est pas signe d'esclavage pour la femme, mais c'est un signe de soumission à Dieu. De même qu'également, le fait que l'homme ne porte pas un voile pour prier est un signe de soumission aussi à Dieu. Si vous venez ici, que vous voyez, nous les hommes, nous tous, on est attachés pour là. Vous également, les femmes, vous avez attaché pour là. Ou alors nous les hommes, nous voyons arrêter, si on a porté ma cousine, nous sommes dans les mini-jupes avec les hauts talons. Qu'est-ce que là vous pensez? Vous allez penser à quoi? Mais là, c'est une église de prêtres. C'est ce que vous avez dit. N'est-ce pas? Le voile, c'est un signe de soumission à Dieu. C'est un signe de soumission à Dieu. C'est tout. Et lorsque tu ne le fais pas, tu deviens rebelle. C'est comme si tu te dis, non Dieu, ce signe de soumission que toi tu as donné là, non ceci là, moi je n'en veux pas. Moi je n'en veux pas. Et lorsque tu enlèves ton voile qui vient de la présence de Dieu, tu es en train de te juger toi-même. Tu es en train de subir un jugement, comme on le dit ici à chaque fois. C'est un jugement qu'on subit lorsqu'on ne met pas de voile et qu'on vient dans la présence du Seigneur Jésus. Et ce jugement-là, la Bible dit, spirituellement, dans ta main, il y a des eaux de malédiction dans ta main. Des eaux de malédiction, des eaux troubles de malédiction mêlées à du sable, à de la poule qui sont dans ta main. Et lorsque tu rentres dans ta maison, tu importes, tu touches la tête de tes enfants, ce sont ces eaux troubles de malédiction que tu déverses sur eux. Quand tu dis à ton mari, oh que le Seigneur te bénisse, ça se transforme en malédiction. Parce que quoi? Tu as osé contredire ce que le Seigneur a dit et tu as dit non, voilà ces signes d'esclavage. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons. Nous ne voulons pas voir de groupe ethnique, ni de groupe régionaliste, ni de groupe de race ou de couleur dans l'assemblée des saints. Nous sommes unis d'un seul et même esprit. Jésus est le Dieu de toute chair, de toute âme et de toute langue. Nous ne voulons pas voir les bien-aimés organiser des fêtes comme anniversaire de baptême. Anniversaire de baptême, tu t'es fait plonger dans l'eau, tu as donné ta face, on a mis le dessus, ou tu t'es arrêté sous un robinet, on a ouvert le robinet, l'eau est tombée sur toi, trois gouttes d'eau sont tombées sur toi. Une goutte pour le Père, une goutte pour le Fils, une goutte pour le Saint-Esprit. Quelle est cette bêtise-là? Bien-aimé, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous a appris à obéir à sa parole. La parole de Dieu est divisée en cinq parties.
qui veut le chercher. Donc si tu t'es fait baptiser, tu n'as pas besoin de fêter anniversaire pour ça. Tu n'as pas besoin de louer des instruments. Tu n'as pas besoin de payer gâteau pour fêter anniversaire de baptême. Ou alors pour vous les mariés, ou pour vous qui allez vous marier très bientôt, lorsque vous allez avoir des enfants, on va venir vous dire money ballet, on va faire sortir l'enfant, sortir le bébé, tu vas organiser anniversaire pour ça, fête pour ça. Et il y a des gens qui ont été possédés le jour où on a fait sortir l'enfant à cause de ces choses. Pas d'anniversaire de baptême, ni dans l'église, ni chez toi à la maison. Anniversaire de mariage, nous n'en voulons pas. Anniversaire de naissance, nous n'en voulons pas. Fête des morts, nous n'en voulons pas. Fête de Noël, tu n'en fêteras point. Fête de janvier, tu n'en fêteras point. Saint-Valentin, tu n'en fêteras point. Fête de père, fête de mère. La seule fête que nous connaissons, c'est la Pâque. Alléluia. C'est la Pâque que nous connaissons. En dehors de la Pâque, toutes les autres fêtes sont des fêtes mondaines. 1er janvier, je pense bien que Solibra fait près de 1000% de chiffre d'affaires. Fête de janvier, fête de Noël, ça commence en Noël. Tu vas voir les petits biscuits au quartier, ces biscuits-là seront finis en Noël. Et quand on dit 1er janvier, c'est fini. Tu vas voir les pères de famille qui sont bien dormis dans les caniveaux. Tu ne vas même pas, tu t'en pisser sur eux. Ils sont en train de fêter, ça c'est dit aussi, chrétien. Des jeunes filles qui perdent leur virginité pendant des fêtes qu'on appelle Saint-Valentin. Saint-Valentin, allez-y chercher l'histoire de Saint-Valentin. Son nom, c'est Valentin. C'est un monsieur qui s'appelle Valentin. Et l'église catholique fête ce monsieur-là parce qu'on dit qu'il est saint. Il est un prêtre. Il est devenu saint. Selon que l'église catholique le dit. Mais on dit un saint qu'on fête. Et puis alors, c'est les hôtels qui sont bourrés. On fête un saint. Et c'est alors les marquis qui sont bourrés. C'est alors les gourmets, les mamans qui sont mariées depuis 30 ans avec leur mari, qui sont en train de se taper la poitrine parce que le mari est sorti depuis matin. Il a fait 3 jours. Lui seul, il fait Saint-Valentin pendant 3 jours. Dehors, avec les petites filles. Et ça, c'est lui aussi chrétien. Fête des pères. Fête des mères. Aujourd'hui, ça s'entraîne à emballer les cadeaux pour les donner aux mamans. Nous ne sommes pas contre l'honneur qu'on doit faire aux mamans. Mais ce n'est pas de cette manière que le Seigneur nous a dit d'honorer nos mamans. On prend le livre d'Exode chapitre 20, verset 12. On va prendre ce livre-là. Exode chapitre 20, verset 12. Alléluia. Exode 20, verset 12. Oui. Il dit la parole du Seigneur. Mm-hmm. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu te donne. Reprends bien. Amen. Amen. Exode 20, verset 12. Oui. Honore ton père et ta mère. Oui. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mmh. Amen. Lis encore Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Éphésiens 6, verset 1 à 2. Mmh. Enfin, obéissez à vos parents, mmh, selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Mmh. C'est le premier commandement avec une promesse. Avec une promesse. Tous les commandements du Seigneur ne sont pas accompagnés de promesses. Mais c'est le seul commandement qui est accompagné de promesses. Honore ton père et ta mère. Faites des pères et faites des mères. Mais regardez comment vous fêtez.
faire ceci. Ah, maintenant il vient. Tu ne le fais pas. Et en ce jour-là, tu dis, bonne fête, maman. Quelle fête? Tu l'as honoré? Ça va même encore plus loin. Je l'essaie de le dire ici. L'honneur que tes parents attendent de toi, le plus, c'est lorsque tu vas avoir dehors là-bas un petit garçon qui tourne autour de toi pour la femme. Un petit garçon qui tourne autour de toi. Mon frère, ce que tu es en train de me dire là, c'est vrai, mais il faut aller voir ma maman. Ça, c'est l'honneur que tu dois faire à ta maman qui est là. Mais chaque jour, vous êtes entre deux murs. En fuyant les lampadaires qu'on a mis, on a pris la peine de planter dans les quartiers, dans les rues. Vous fuyez ces lampadaires pour aller vous cacher dans le noir. Et tu te dis, tu as peut-être honoré ton papa ou tu as peut-être honoré ta maman. Quel honneur tu as de faire à ta maman? N'es-tu pas en train de dire à ce monsieur qui est devant toi que tes parents n'existent pas? Ou bien n'es-tu pas en train de dire que ta maman ne connaît rien? N'es-tu pas en train de dire que ton papa est gaou? N'est-ce pas ce que tu dis implicitement? Si tu n'es pas en train de faire cela, il n'y a pas de fait de mère qui tienne pour toi. Tu as déshonoré tes parents, tu as déshonoré ta mère. Et toi également, le jeune homme, s'il te plaît, tu dois faire honneur à tes parents. Ah, papa, je sais que j'ai l'âge maintenant, puisque vous ne pouvez pas trouver une femme pour moi. Moi, j'ai vu une qui me plaît. Et alors, les parents vont faire les choses. Papa et maman seront contents d'aller voir la jeune femme que leur fils va épouser. Ils seront contents. Mais toi, alors, tu dis non. Il faut que je vérifie de voir d'abord si elle est bien. Mon papa, ce n'est pas mon papa qui va la marier, ce n'est pas ma maman qui va la marier, c'est moi. Quand tu dis ça déjà, tu les as déshonorés. Et lorsque la jeune fille, les parents du jeune homme s'en vont les voir, ah, monsieur Guadio, le Seigneur a fait grâce. Nous avons vu une belle fleur dans votre jardin. Et ce matin, nous sommes venus, si c'est possible, de l'accueillir. C'est ça l'honneur que tu dois faire à tes parents. C'est l'honneur que tu dois faire à ta mère. Et non pas aller emballer les cadeaux. Quel va-nu-pied qui est en train de tromper toi et ta maman dans le noir tous les jours. Tes parents ne connaissent pas son existence. Vous êtes en train de les tromper. Et c'est ce monsieur-là qui a acheté le cadeau. Tu envoies ta maman. Tu dis non, il m'aime toi, il a acheté un cadeau pour ma maman. Ta maman le connaît. Est-ce que ta maman connaît ce monsieur? Et également vous la maman, si vos enfants femmes vous envoient des cadeaux chers, pourtant que tu sais que ta fille ne travaille pas, et que tu la laisses avec ce cadeau que tu prends, tu es en train de la conduire dans la prostitution. Tu es en train de faire de cette fille une prostituée. Ton enfant ne travaille pas. Elle est encore à l'école. Et puis c'est elle qui t'envoie toujours iPhone à la maison. Maman, c'est ton cadeau. Toi, tu ne travailles pas. C'est moi qui te donne déjeuner. Comment fais-tu pour acheter iPhone là? Tu ne demandes pas ça. Et tu prends. Oh, ma fille m'aime trop. Ma fille m'aime trop. Prostitution. Une famille de prostituées d'ailleurs. Et c'est là que la source de tous les maux commence. Quand ta petite soeur qui est derrière va te voir, moto j'ai garé chaque fois devant la cour. À chaque 16 heures, c'est toi qui montes sur moto, tu t'en vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Ta petite soeur-ci, elle va prendre la même chose. Elle va commencer à calculer le monsieur qui vient avec moto. Après, c'est elle qui va vouloir partir. Et alors, c'est gâté pour elle. Si ma soeur va toujours, c'est que c'est bon. Non, si on va faire, elle n'a même pas hyper baissé. Mais c'est elle qui a tous les salles les plus jolis salles du monde. C'est elle qui porte les vêtements les plus chers. Peut-être qu'elle ne travaille pas. C'est que ce qu'elle fait là, c'est plus que pour le fonctionnaire. Pourquoi moi je vais me fatiguer pour aller à l'école? Et les jeunes filles alors, elles abandonnent les études pour aller se livrer à ça. Bien aimé, si tu dois fêter une bonne fête de mère, honore ta maman en présentant.
mouvement de réveil qui est en train de préparer l'épouse du Seigneur Jésus à sa rencontre. Alors si vous êtes ici, que pour un miracle, ou une délivrance, ou pour une guérison, et après retourner à votre famille, vous avez encore le temps de bien réfléchir. Nous voulons dire par là, simplement, on ne vient pas ici pour chercher seulement la délivrance. Si tu nous dis que tu es venu chercher ta délivrance, et puis tu vas retourner à tes pratiques que tu faisais avant, on préfère te laisser avec tes vieux démons. On préfère laisser ces démons dans ta vie. Il y a des délivrances qu'on fait ici. 9h, 13h. Une personne. On va passer tout ce temps-là à dire feu, feu, feu. Nos intestins vont vouloir sortir. Et puis après, toi, tu vas tout retourner dans le monde. Tu vas aller te cacher tout ce temps. Tu vas aller te livrer à Satan. Et Satan lui va venir à toi te posséder. Nous ne voulons pas faire du faux travail. Si tu sais que ton objectif, c'est le royaume des cieux. Tout à l'heure, même on va prier pour toi pour te délivrer. Mais si ton objectif, c'est d'être délivré d'un seul démon, et puis tu vas aller escroquer encore les gens, on préfère te laisser avec ce démon. Amen. Alléluia. Amen. Ne voulons pas aussi voir des hommes. Parce que ce qu'on est en train de dire depuis ce matin, c'est les femmes. C'est les femmes. Mais également les hommes sont dedans. Cachez votre triceps et vos biceps. Vous les hommes, cachez-les, les triceps et les biceps. Tout ça, ça séduit. Quand tu penses c'est la femme seule qui séduit, toi aussi tu es séduisant. Tes biceps et puis tes triceps sont séduisants. Cache-les. Ne mets pas tes monnaies dehors. Ne porte pas chocolat pour t'asseoir dehors. Ne te dis pas non, je m'en vais à la boutique. Donc je vais porter kilos simplement. J'ai cherché les différents modes dans l'Antiquité. Les modes vestimentaires dans l'Antiquité, j'ai cherché hier. Et je suis tombé sur l'Antique. Les vêtements courts pour hommes, quand on met les pouces en valeur, la signification, c'est que nous sommes très virils, nous sommes très garçons. Donc alors, c'est pour montrer aux femmes qui sont là que nous sommes prêts. Nous pouvons même leur faire 20 enfants, si elles veulent. C'est la signification de ça. Et alors les jeunes ne savent pas. Vous mettez tout ça en valeur, c'est de la séduction. Pas de débattre sur toi. Si tu veux t'habiller, habille-toi correctement. J'ai été surpris ce jour-là, lorsque un jeune homme m'a dit, non mais grand frère, habille-toi, tu as porté là, si moi je peux pour sortir, mais je vais mourir de honte. J'étais très surpris. Parce que j'étais un pantalon tissu et puis également une chemise, pas paille, mais une chemise avec tissu également. Et d'ici lui, pour ça, pour sortir, il va mourir de honte. Ce que lui peut faire, c'est les pétés, les jeans, les patios, qui sait se voler. C'est ça lui peut faire. Alors quand il sort dans ça, il est content. Les habits avec des têtes de mort dessus, c'est ce que lui aime. Alors moi, mes tissus que j'ai portés, il a honte. Et quand on me voit, il a honte. Si quelqu'un n'est pas insensé, est-ce qu'il peut réfléchir comme ça? Malgré tout ce que tu portes, ce que tu as mis, quand vient l'heure d'aller chercher un travail, quand tu rentres dans un bureau, on dit, monsieur, va t'habiller. N'est-ce pas ce qu'on vous dit? Monsieur, va t'habiller. Ça veut dire que tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Je préfère mourir de honte avec mes pantalons tissus, que d'aller mourir de joie en enfer. Alors, en ce qui concerne les hommes, si vous avez des parties sur la peau où il y a des tatouages, vous devez cacher ces parties-là. Parce que les
l'esprit de l'unité n'a pas sa place parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Et comme on l'a dit pour le val, nous voulons donc voir des femmes de 0 à 1000 ans être voilées dans la présence de Dieu. De 0 à 1000 ans. Si toi tu peux vivre pendant 1000 ans et que tu peux mettre les pieds parmi nous, lorsque tu viendras, tu dois avoir ton voile sur ta tête. Si tu as un jour et que ta maman est capable de te faire sortir de la maison pour t'envoyer à l'église, si tu es une femme, voile sur la tête. On prend toujours exemple ici. La fille du prophète, elle n'a même pas encore un an. Combien? 7 mois. Mais son papa crie ses vêtements. Quel pote jupe. Que c'est cool, il dit non, changez ça. Faut pas, on va voir ses mollets. Elle a 7 mois. Vous allez dire non, mais on, vous exagérez là. Bon, c'est pas ça. C'est que Dieu a dit, on le respecte. C'est aussi une femme. Elle a vu, Dieu tire les louanges à la bouche des enfants. Ceux qui sont à la mamelle, ceux qui sont très têtés encore. Dieu tire la louange de leur bouche pour confondre ceux qui se disent sages. Donc si tu es femme, quel que soit ton âge, tu dois te valer. Amen. Alléluia. Amen. Les paroles de Jézabel, les éléments d'or, l'esprit de séduction, l'esprit de l'unité, de la rivalité, n'ont pas leur place devant la face du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pendant la lecture du premier verset, lors de la prédication, tout le monde doit se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. On dit le premier verset qui sera lu. Également pendant l'adoration, on n'a pas forcément besoin d'annoncer voici l'adoration, mais comment tu sens l'atmosphère qui est en train de se dégager, des cantiques également qui sont en train d'être chantées. Alors tu te dois de te prosterner devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, lorsqu'on adore Dieu dans les cieux, les 24 vieillards, les séraphins, les anges, autant qu'ils sont, se prosternent face contre terre, en jetant quoi leur couronne ailleurs. Si tu as porté la Bible, non, et tu vas dire, non, mais moi, j'ai porté la Bible, non, je ne veux pas que ça se salisse. C'est à cause de ça qu'on a nettoyé ici. Il n'y a pas poto-poto, même s'il y avait poto-poto, on allait se coucher pour adorer. Alléluia. Amen. Ainsi donc, nous devons glorifier le nom du Seigneur ce matin. Nous devons proclamer le nom du Seigneur dans la simplicité, dans le respect total de la parole du Seigneur. Si donc tu sais qu'il y a des cicus, il y a des mèches, il y a des cheveux tressés, par-ci, par-là, sur toi, tu vas approcher tranquillement une soeur, elle va te conduire, soit dans les toilettes. Tu vas enlever cela, tu vas les déchirer. Et tu vas venir, nous allons faire le culte. Alléluia. Amen. Si donc quelqu'un est animé d'un esprit de calomnie, d'un esprit de médisance, de mensonge, de manipulation, bien aimé, ta place n'est pas parmi nous. Abandonne le mensonge dehors. Laisse le mensonge dehors et viens. Si le Seigneur nous révèle pendant le culte, que toi tu as animé d'un esprit de calomnie, nous allons t'exposer publiquement. Quel que soit l'âge que tu as, nous allons t'exposer. Afin que l'homme à la culotte noire soit remis. Et aussi, pour que tu serves de cobaye à tous ceux qui viendront prochainement pour agir de la sorte. Quand on le fait, ce n'est pas toi qu'on met en ligne. Mais en réalité, c'est pour sauver ton âme. Pour que le diable n'ait pas accès à toi. Et que le temps fuit de ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 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 Amen. Jésus. 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 Jésus
Bien-aimé, ce que vous allez faire là, c'est pour moi. Alléluia. Amen. Ce que vous allez faire là, c'est pour moi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Moi, c'est mon Jésus, là, ça dépasse pour vous. Amen. Moi, c'est mon Jésus, ça dépasse pour toi. Alléluia. Amen. Jésus. 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 Alléluia. Amen. Tu vas rendre gloire à ton Seigneur. Tu vas lui dire merci pour toute sa grâce. Tu vas bénir le nom de l'Éternel. Tu vas exalter le nom de ton Seigneur. Élève la voix pour le Seigneur Jésus. Pour le Seigneur Jésus. Et tu lui merci pour toutes choses. Oh Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Seigneur Jésus, en ce jour, je veux nous donner un jour. Parce que tu es Dieu vivant. Tu es le Dieu qui donne la grâce, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie n'est rien, Père. Prie le Seigneur Jésus. Dis merci à Jésus. Tu m'as pas laissé. Dis merci à Jésus. Tu m'as protégé un jour. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Glorifie le nom de ton Seigneur. Dis merci à l'Éternel, ton Dieu, qui t'a gardé, qui t'a protégé, qui a veillé sur toi. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le
Y aquí está el Señor.
Seigneur Jésus. Éternel, tu es derrière moi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Dans ton cœur, dans la parole de Dieu, dans ton cœur.
pardonne-moi. Demande pardon à Jésus. Change mon cœur,
ne plus être la même personne. Changement
considérer ta parole. Nous voulons considérer, Père, ta parole. Père, lave-nous. Père, lave-nous. Seigneur, sanctifie-nous. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Sanctifie entièrement. Père, lave-nous. Père, éternel Dieu. Jésus. Père, lave-nous entièrement. Oh Dieu tout puissant. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Oh Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas te redresser. Tu vas te redresser. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons continuer dans la prière. Dans cette position, bien-aimé, tu vas demander encore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se répande parmi nous. Que le sang de Jésus vienne inonder ce lieu. Que le sang de Jésus vienne inonder ta vie. Et que même les pensées que tu avais nourries avant, que toutes ces pensées soient effacées. Toutes ces pensées soient ôtées par le sang de Jésus. Et que parmi nous, le sang de Jésus règne. Prie le Seigneur Jésus. Et invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur Jésus. Que ton sang vienne laver, Seigneur. C'est par le sang que j'ai la vie. C'est par le sang. Jésus,
Yeah.
Tu vas prier le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans un temps où alors il faut glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Avec la liberté. Mais si ton âme est emprisonnée, ton âme est dans les chaînes, tu ne pourras pas glorifier Jésus. Non. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas encore dire paix. Paix. Bien aimé, lève la voix, paix. Paix. Ce matin, matin j'ordonne que mon âme sort de là. Lorsque les fondements sont renversés, celui qui
tout cas, tu vas prier le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur te dit qu'il t'a donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de vie, et rien ne pourra te dire. Tu vas prier Jésus. Tous les fondements de ta maison qui ont été renversés. Tout ce qui est un fondement de bénédiction, fondement de paix, fondement de joie, fondement de santé, fondement de lucidité. Tu vas prier afin que l'ennemi qui est venu le renverser, que maintenant cela soit redressé. Que cela soit redressé. Que cela soit redressé. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie le Seigneur Jésus. Pour ta famille. Pour ta vie. Prie le Seigneur Jésus. Consumer, 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 consumer
bouche. La parole de l'éternel fait jaillir des flammes de feu. Des flammes de feu. J'invoque maintenant dans tous mes ennemis la parole de l'éternel. 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 Il m'a dit Père, Père, tout la faux Dieu, tout la faux Dieu, cette ville, le poquet, nous mettons le feu, nous mettons le feu, le feu, le feu, le feu, allez, mets le feu sur la faux Dieu, mets le feu sur la faux Dieu dans cette ville de poquet, mets le feu, 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 mets le feu sur sa faux Dieu, mets le feu, mets le feu, sa faux Dieu, ton plus poquet, à diminuer. Allez, fais!
regarder le ciel maintenant. Tu vas dire Père. 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 Toute barrière. Toute barrière. Toute barrière. Toute barrière. Dans l'espace. Dans l'espace. Dans l'espace. Au premier ciel. Au deuxième ciel. Au premier ciel. Au deuxième ciel. Dans l'espace. Père. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Brise, 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 brise toutes ces barrières. Brise toutes ces barrières. Des barrières sataniques. Brise ces barrières sataniques. Brise ces barrières sataniques. Brise ces barrières. Brise ces barrières sataniques. Brise ces barrières. Brise-les. 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 Au premier ciel, au deuxième ciel, de l'ennemi, je vois le tonnerre, le tonnerre, le tremblement d'état, le tremblement d'état, le tonnerre. Allez, invoque-le, 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 invoque-le au nom de Jésus, le tonnerre, le tremblement d'état, au premier, au deuxième ciel, invoque-le, 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 le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tremblement d'état, le tremblement d'état, le tremblement d'état, le tremblement d'état. Allez, invoque-le, invoque-le au nom de Jésus, 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 invoque-le au nom de Jésus. La chair, la chair, la
chair, j'affaiblis la chair, la chair. Allez, affaiblis ta chair, affaiblis ta chair, affaiblis ta chair, affaiblis la puissance de la chair, affaiblis, affaiblis, affaiblis tout pouvoir de la chair, assume ta chair, assume ta chair, domine ta chair, domine ta chair, affaiblis, plus pour dominer ta chair, plus pour dominer ta chair, plus pour dominer ta chair. Domine, 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 domine ta chair. Faut pas ta chair va te conduire en enfer. Faut pas ta chair va te conduire en enfer. Domine, domine la combattue, domine l'envie, domine l'ivrognerie, domine les excès de temps. Domine, 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 domine ta chair. Domine ta chair, 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 domine, 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 dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire merci à Jésus. Tu vas dire merci à Jésus pour la liberté qu'il t'accorde. Tu vas lui dire merci de ce qu'il a fait sortir ton âme des forces. Puis le Seigneur Jésus et tu lui merci. Tu lui merci. Tu lui merci. Tu lui merci. Jésus m'a libéré à jamais. Amen.
chacun d'entre nous. Autant que nous sommes, le Seigneur veut que nous soyons libres. Il y a de la liberté en abondance dans le Seigneur. Il y a de la joie en abondance dans le Seigneur. Il y a de la liberté, de la joie. Bien aimé, les chaînes se brisent en Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas te laisser te remettre encore sous le joug de la servitude. Tu ne dois pas te laisser encore dominer par les démons. Tu ne dois pas te laisser avoir par les ruses du diable qui t'apportent la peur. Tu ne dois pas te laisser dominer. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Alors tu as le pouvoir. Les sorciers qui te poursuivent dans ton sommeil, si tu ne connaissais pas ce verset, si tu ne savais pas que le Seigneur t'a donné le pouvoir, maintenant, il faut que tu sois celui qui chasse, qui pourchasse ces sorciers-là. Alléluia. Amen. Et quand je vous ai dit ici, chaque fois, il y avait une femme qui venait coucher avec moi dans mon sommeil. Pendant que j'étais, je me disais chrétien, et ça me tournait. Mais lorsque j'ai connu le Seigneur et que j'ai été affranchi, une nuit, cette fille était venue encore. J'ai dit aujourd'hui, tu vas voir. Qu'elle vient habituellement, je n'ai pas de force. Tu ne peux pas bouger ton bras. La personne fait ce qu'elle veut et puis elle est tout. Mais ce jour-là, je l'ai poursuivi dans la ville de Boaké. Je l'ai poursuivi dans la ville de Boaké. C'était comme s'il était dans la réalité. Mais je l'ai poursuivi. Ça fait maintenant 6 mois maintenant, je pense. 6 mois pleins. Je l'ai poursuivi. Elle prend moto-taxi. Je poursuis eux. Elle laisse le moto-taxi. Elle monte dans un taxi. Je suis là. Elle laisse le taxi. Et je l'ai poursuivi jusqu'à... Elle a quitté Boaké. J'étais derrière elle. Et bien même jusqu'à ce jour, une femme n'est jamais venue encore dans mon sommeil pour dire je vais coucher avec lui ou je vais faire ça. Et ceci n'est jamais encore venu. Parce que quoi? La force se trouve en Jésus. La vie se trouve en Jésus. La liberté se trouve en Jésus. Jésus, 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 Jésus. Le Seigneur, nous, il veut que nous soyons toujours attachés à lui. C'est pourquoi il désire que nous soyons toujours accrochés à son vêtement. Tu vas t'accrocher à Jésus. Bien-aimé, nous allons ce matin nous accrocher au Seigneur notre Dieu. Amen. Tu vas proclamer sur toi l'esprit de vérité. Tu vas demander à ce que, maintenant que tu es libre, parce que le Saint-Esprit ne vient pas dans une vie qui est dans la captivité. Le Saint-Esprit ne peut habiter dans une maison qui est remplie de poux. Maintenant que le Seigneur a nettoyé et qu'il a brisé les chaînes, qu'il t'a fait sortir du tombeau, maintenant, bien-aimé, tu vas demander au Seigneur de venir te remplir. De venir remplir ton âme. De venir remplir tes pensées. Nous allons nous tenir et nous allons prier le Seigneur Jésus. Dans la maison du Seigneur, s'il vous plaît, on n'a pas trop le temps de s'asseoir. On n'a pas trop le temps de s'asseoir. On s'assoit beaucoup, c'est dans les églises climatisées. Ici, nous sommes chauds avec le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur, nous sommes sans aller avec lui, en esprit avec lui. Tu vas nous demander que le Saint-Esprit vienne sur toi. Tu vas demander au Seigneur que son esprit de vérité vienne t'inonder. Que son esprit de force vienne prendre le contrôle de ta vie. Et lève la voix bien-aimée pour le Seigneur. Je vais entendre quelqu'un proclamer sur lui la présence du Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je prie ton esprit, Seigneur, sur ma vie, Seigneur. Le Saint-Esprit sur toi. Dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit. Le Saint-Esprit sur toi. Que ton esprit vienne. Bien-aimé, demande à ce que le Saint-Esprit vienne sur toi. Amen. Amen. Puis le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Que le Amen. 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 Amen
Le Seigneur est dans sa parole. Et le Seigneur Jésus ne ment point. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié. Et nous voulons ce matin que le Père soit glorifié abondamment. Non seulement dans nos vies, dans cette vie, mais aussi jusque dans l'éternité. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas poser ta main droite sur ta tête. Pose ta main sur ta tête.
simplement dire à Jésus. Tu vas lui dire, Seigneur, si tu me trouves digne ce matin, si tu me trouves digne devant toi de recevoir ton esprit, si tu me trouves digne d'être rempli de ton esprit, Seigneur, remplis-moi. C'est ce que tu vas dire à Jésus-Christ. Dis cela à Jésus. Dis à Jésus, s'il te trouve digne d'être rempli, qu'il te remplisse ce matin. S'il te trouve digne ce matin d'être rempli du Saint-Esprit et le feu, qu'il te remplisse ce matin. Prie le Seigneur ton Dieu. Prie le Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu. Jésus. Si tu trouves digne ton peuple, si tu nous as trouvé digne, Père, d'être encore rempli ce matin, Père éternel Dieu, nous te prions de venir, Père, nous remplir. Nous te prions, Père éternel Dieu, de venir remplir ton peuple. Seigneur, remplis-nous. 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 Par ton feu. 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 Jésus, Père éternel Dieu, prends le contrôle de toutes nos vies. 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 Prends le contrôle de nos pensées. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle. 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 Au nom de Jésus. Dans le nom puissant 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 de Jésus. Merci Seigneur. Esprit de Dieu. Espírito.
glorifier ton nom. Saint-Esprit de Dieu, introduis-nous devant le trône de Jésus. Introduis-nous devant le trône de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, introduis-nous devant le trône de Jésus. Afin que nous glorifions son nom. Afin que nous l'adorons. Seigneur Jésus, 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 nous voulons être tapis devant ton trône. Nous voulons Père éternel Dieu t'adorer en esprit, en vérité. Père, nous n'attendons que toi. Afin de t'adorer en esprit, en vérité. Quand tu as dit, les adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. En esprit et en vérité, Seigneur. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Fais ton entrée. Fais ton entrée. L'étoile brillante du matin. Fais ton entrée. L'étoile brillante. Que tu l'adores en esprit, en vérité, en témoignant ses refaits.
en témoignant sa grandeur, en témoignant sa puissance, en témoignant ses refaits. Proclame le nom de Jésus et adore ton Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix et adore le Seigneur Jésus. Élève la voix et adore le Seigneur Jésus. Élève la voix et adore le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. C'est bon. On en a ma soif, c'est Jésus. Jésus. Sois beau. Seigneur. Qui ne pourrait pas le dire Dieu? Qui ne pourrait pas le dire Jésus? Qui ne pourrait pas le dire Jésus? Qui ne pourrait pas le dire Jésus? Yeah.
Seigneur Jésus, éternel, 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 éternel,
Seigneur, 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 si c'est toi, avec toi. Seigneur Jésus, si c'est toi, nous, Père éternel de notre soeur, Tabitha, nous te prions, éternel notre Dieu. Seigneur, libère cette barrière et prononce-toi, Seigneur notre Dieu. Jésus, nous te prions. Saint-Esprit de Dieu, si c'est toi, Père éternel, Dieu les amis, dans sa vie, Père éternel, Dieu maintenant, nous te prions, Adonai, libère, ôte cette barrière et maintenant prononce-toi, Seigneur notre Dieu, car nous sommes là pour t'entendre. Quel que tu as déjà dit, Seigneur, nous te prions. Nous voulons également t'entendre, éternel Dieu, par ce canal. Éternel Dieu, si c'est toi, Seigneur notre Dieu, si c'est toi, éternel mon Dieu, Seigneur, nous délions son corps. Nous délions sa langue. 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 Nous n'avons plus le temps. Bien aimé, le temps est fini.
sais. Là où tu en parles avec ton frère, tu sais. La personne à qui tu as dit tout la dernière fois, tu le sais. Ce qui est encore dans ton cœur, tu le sais. Tu vas demander pardon à Jésus. Tu vas demander pardon au Seigneur. Soyons sincères, soyons sincères. Enlevez tout ce qui est dans votre cœur. Il n'y a pas miroir pour regarder ce qui est dans le cœur, mais Dieu est notre miroir, il voit tout. Enlève, arrache de tout ce qui est dans ton cœur et jette à la poubelle. Enlève tout ce qui est dans ton cœur et jette à la poubelle. Dieu ne plaisante pas le péché. Tu ne peux pas descendre dans feu qui est dans la cuisine. Tu ne peux pas descendre dans feu qui est dans ton pote. Après cette raison, le feu de l'enfer. Bien aimé, tu ne pourras pas résister à la grande tribulation si le Seigneur arrive aujourd'hui. Enlève ce qui est dans ton cœur. Tu n'as pas encore sauvé mon frère. Tu n'as pas encore sauvé ma bien-aimée. Enlève dans ton cœur. Ne dis pas que moi je ne suis pas dedans. Nous sommes tous concernés. Ne dis pas je ne suis pas dedans. Dieu connaît ton cœur. Peut-être regarde dans cette église. Personne n'est sauvé si ce n'est que les bébés. Alors ce qui est dans ton cœur, jette à la poubelle. On ne peut pas venir à Jésus et puis on a encore le monde. Toi tu es ici, tu es en colère. Faut pas faire repentance. Faut sortir, tu vas aller enlever le colère. Toi tu as fait, tu fais, je vais te friser. Sors. Faut pas faire repentance. Faut pas demander pardon. Faut sortir, tu vas aller t'asseoir. On prie, on va couper. Faut pas faire repentance. Sors. On ne peut pas dire ça au milieu de nous. Si tu as cheveux défrisés, va sortir, va t'asseoir au préau. Sois, va t'asseoir au préau. Sinon, si la Seigneur te défend, tu vas faire un milieu publiquement. Va t'asseoir au préau. Si tu as cheveux défrisés, tu as enlevé mes cheveux défrisés. Va sortir, va au préau. Va au sol, va au préau. Si tu as collé, va sortir. Si tu as porté du long, toi, femme, va sortir, va sortir. Faut pas faire repentance. La repentance, c'est d'aller enlever. Va enlever, tu n'as plus le Seigneur t'intéresse. On va te mettre publiquement et tu vas enlever le collant là devant nous. Tu vas enlever le chemin de fusée là devant nous. Faut sortir, tu ne veux pas venir à l'église pour dire je veux le salut, pourtant tu as encore le bon sur toi. Tu as encore les choses dans ton cœur. Bien aimé, repends-toi. Tu es en parole avec ton frère. La division est encore là. Dès le départ, le Seigneur nous a dit réconciliation, restitution. S'il n'y a pas encore de réconciliation en toi, si tu continues toujours de faire parole avec ton frère, si tu continues toujours bien avec le prendre parti lorsqu'il s'agit des serviteurs, si tu es toujours dans l'idolâtrie, bien avec c'est le moment de te débarrasser de tout cela, d'enlever tout cela de ton cœur. Pardonne ton peuple. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Adonai, nous te demandons pardon. Jésus, nous nous repentons devant toi. La sincérité n'y était pas. Parce que nous avons camouflé les choses. Nous avons mis par le ténèbre Dieu. Des choses dans nos cœurs. Nous avons regardé l'homme. Éternel notre Dieu. Nous avons fait confiance à l'homme. Pourtant, c'est à toi que nous devons faire confiance. Et maintenant que nous avons vu que cet homme est faillible, éternel notre Dieu, nous avons aussi baissé les bras. Et notre cœur a repris par l'éternel Dieu les choses qui sont dans le monde. Père, nous sommes coupables. Nous sommes coupables de transgression. Nous sommes coupables d'une très grave au niveau de toi, Seigneur. Nous reconnaissons ce jour qu'il y a le mensonge dans nos vies. Il y a eu par l'éternel Dieu la médisance. Il y a eu l'éternel Dieu les armées. Oh Jésus-Christ, le manque de pardon. Seigneur, nous n'avons pas demandé pardon comme il fallait. Et nous n'avons pas pardonné ceux qui venaient s'excuser auprès de nous. Père, nous te demandons pardon. Jésus, Père, nous te supplions. Père,
Seigneur, mon bon Dieu, Seigneur, si tu es nous aimes, le Père, il est le Père, nous aimer encore. Éternel, mon Dieu, si tu es nous transformer, il peut nous transformer. Jésus, Père, nous te supplions. Seigneur, Autant que nous sommes, Seigneur, nous méritons tous, Père, d'aller en enfer. Seigneur, nous méritons tous de périr. Mais pardonne-moi encore ce matin. Tu nous as fait dire, Seigneur, mon Dieu, Père, comme ta parole est dit, Seigneur, Jésus, viens nous décharger. Seigneur, viens nous décharger. Seigneur, viens nous décharger. Je suis pour toi. Vous n'avez pas l'amour. Vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Hypocrite que vous soyez, vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Vous pratiquez l'amour. Pratiquez-vous l'amour. Pratiquez-vous l'amour. Vous me demandez chaque soir, chaque jour, chaque matin, Seigneur, ton amour, ta grâce, ton amour. Vous n'êtes même pas en union. Oh, vous n'êtes pas en union. Où avez-vous mis l'amour? Où avez-vous mis l'amour? Vous n'êtes pas en union. Pourquoi ne pratiquez-vous pas l'amour? Pourquoi ne pratiquez-vous pas l'amour? Pourquoi ne pratiquez-vous pas l'amour? Hypocrite que vous soyez, pourquoi vous ne pratiquez pas l'amour? Aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Pleurez pour les uns les autres. Pleurez pour les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Mes enfants, ne vous n'êtes pas établi, vous n'êtes rien. Ne vous disputez pas. Ne vous querellez pas. Pratiquez l'amour. Pratiquez ce que je vous demande. Et vous verrez. Pratiquez. Car sans l'amour, il ne me verra. Tu vas encore demander pardon, Seigneur, pour ton manque d'amour. La haine qui est dans ton cœur. La haine. Tu vas demander pardon, Seigneur Jésus. Parce qu'il n'a pas été privé dans ton cœur. On sait dire avec méfiance. C'est pas bon de bien Dieu. Tu sais dire avec réserve. Tu fais l'œuvre de Dieu avec réserve. C'est là, moi je ne peux pas aller vers. Lui là, moi je ne peux pas aller vers. C'est de la méfiance. Ce n'est pas bon. Et on trie, même avec les hommes de Dieu, on trie. Telle personne, on peut lui raconter les choses. Mais avec tel homme de Dieu, je ne suis pas habitué avec lui. C'est pas bon. C'est de la concurrence et de la rivalité qui est dans le cœur. Enlevez ces choses. Nous sommes tous égaux, même chose. Nous sommes tous mêmes. Enlevez ça de vos cœurs. Il n'y a pas d'amour. Tu n'aimes pas ton frère à la maison. Tu n'aimes pas ta soeur à la maison.
Vous êtes dans les disputes. Dans la mauvaise soupçon. Vous vous tendez des pièges à l'église ici. Pour que l'homme tombe dedans. Pour qu'on se moque. Pour qu'on dise c'est lui qui a péché, c'est elle qui a péché. Des pièges que vous vous tendez. C'est du péché. Oh, il a dit dans sa parole, et vous-même vous savez, il a bien dit, beaucoup verront la porte, beaucoup chercheront à y entrer, mais ils ne pourront pas. Tu as vu la porte, tu cherches à entrer, mais tu ne pourras pas entrer. Tu ne pourras pas entrer, tu connais bien la porte, mais tu ne pourras pas entrer à cause de ces choses. On n'a plus peur du diable, que le Seigneur, on crie Satan, que le Seigneur, on ne crie même pas Dieu. Ce que Satan a créé, on crée ces choses que le Seigneur lui-même, où est notre Dieu, et que pour que Satan soit plus puissant, la conscience à notre Dieu est partout. Fais sortir vos cœurs, fais sortir vos cœurs dans un plateau et présentez au Seigneur. Fais sortir vos pensées pour sur un plateau et présentez au Seigneur. Fais sortir vos bouches devant le Seigneur. Présentez-lui vos bouches. Prie le Seigneur Jésus. Prie le Seigneur ton Dieu. Demande toujours pardon à Dieu. Il n'y a pas de concurrence dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de l'autre sait faire bien, l'autre ne sait pas bien faire dans la maison du Seigneur. On a tous été appelés dans la poule. N'oubliez pas que le Seigneur a bien dit dans sa parole. Il prend les choses vives de ce monde, les choses qu'on ne considère pas, les gens qu'on a jetés avec le pied pour les mettre à la table du roi. Trop de négligence dans l'œuvre de Dieu en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Trop de négligence. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Les infidèles, ils ne restent pas là, n'est pas quelque chose. Trop de négligence dans ce qui concerne le Seigneur. Trop de murmures. On a quatre yeux. L'autre yeux, on peut vous regarder le Seigneur. L'autre yeux, on peut vous regarder nos prochains. La même bouche qui bénit le Seigneur. La même bouche maudit. La même bouche parle mal. On a deux cœurs maintenant. Il y a un cœur pour Dieu. Il y a un cœur pour suivre son âme, son frère, sa soeur. Repentance. Dieu nous a avertis. Il nous a bien avertis. Il nous a avertis et continue de nous avertir. Si on joue avec nos vies, regarde, il dit, pour celui qui a goûté le don céleste, le don du Saint-Esprit, son pire châtiment, son châtiment sera trop. Toi qui as goûté, toi qui connais la route du paradis, je te dis la vérité, si tu ne changes pas, tu seras au centre de l'enfer, là où il se fait plus chaud, là où il brûle, là où les flammes sont encore plus méchantes. Tu seras au milieu. Mais pour ton pire ennemi, tu ne souhaiterais pas d'être dans l'enfer pour lui. Et d'ailleurs, nous n'avons pas d'ennemis sur la terre. Changement. La repentance n'est pas dans la bouche. C'est pas, ça ne s'arrête pas à la confession. Mais changement. Vous confessez, mais vous ne changez pas. Pourquoi vous confessez alors? Il n'y a pas de changement. On pleure, on fait des sacrifices dans ce lieu, on fait tout, toutes ces prédications, comme dépouillement du cœur, dépouillement du corps, dépouillement de l'âme, toutes ces choses, mais rien ne change. Rien ne change. Réconciliation, on a fait 21 jours, on ne mange pas de nourriture, on a fait des péris, mais on est retombé dans la même chose. Pourquoi on aime Satan que Dieu? Pourquoi?
Ce qu'on peut faire aujourd'hui, la repentance qu'on peut faire aujourd'hui, de la confession qu'on peut faire aujourd'hui, le changement qu'on peut faire aujourd'hui, la restitution qu'on peut faire aujourd'hui, on remet tout à demain, à demain, à demain, à demain, et ça s'amplifie. On perd le temps cadeau. On a fait un an en ce lieu. Mais cadeau. On retourne de la même confession. Il n'y a pas d'abandon. On confesse, mais on n'abandonne pas les péchés. Et si tu ne veux pas abandonner, pourquoi tu confesses alors? La parole de Dieu n'est pas puissante pour chasser le péché. La parole de Dieu n'est pas puissante. Il dit là où le péché abonde. La grâce surabonde. Là où le péché se voit plus puissant, la grâce est plus puissante que le péché. Vous manquez de détermination. Vous manquez de détermination. Nous manquons tous de détermination pour l'œuvre de Dieu. Pour ce qui concerne le Seigneur. Et on caresse le péché. On caresse, on caresse, on caresse. C'est mon dernier avertissement, ou bien avant-dernier, ou bien même après-dernier, je ne sais pas encore. Le Seigneur, il est là, il est à la porte, il est là, 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 il est là. Il dit, suivant justice, suivant justice, ne surpasse pas ceux des pharisiens. Suivant suivi justice, ne dépasse pas. Suivant sanctification, ne dépasse pas ce qu'on peut appeler église de la voie large. Vous ne verrez pas ma face. Vous ne verrez pas ma face. Le plaisir quoi qu'il y a, c'est en 2023, c'est en 2024, en 2025 que le Seigneur va venir. Tu as menti. Dans cette année 2022, le Seigneur va venir. Et même, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La restitution, plein d'argent que tu as eu, tu pouvais faire restitution, tu n'as pas fait. Aujourd'hui, le Seigneur va venir et tu vas rester. Réconciliation que tu pouvais faire, tu as réconcilié avec ta bouche, mais ton cœur n'était pas réconcilié. Ton cœur n'est pas réconcilié, ton cœur n'est pas avec ta soeur, ton cœur n'est pas avec ton frère, ton cœur n'est pas avec la bien-aimée, ton cœur n'est pas avec le bien-aimé, ton cœur, ouais, c'est ta bouche qui a dit. Toujours tu mets la main sur le cœur, l'amour de Dieu remplit mon cœur. Il te remplit. Qu'est-ce que tu fais avec cet amour? Le salut est encore loin de nous. Si tu veux, le salut peut être près de toi aujourd'hui. Mais si tu ne veux pas, le salut va s'éloigner encore plus. Il va s'éloigner. Changement total. La repentance, c'est un changement. Un changement total. Ce n'est pas sur le bout des lèvres. Ce n'est pas sur le bout des lèvres. Ce n'est pas sur le bout des lèvres. Quelle prédication vous voulez écouter encore? Qu'est-ce que vous voulez écouter? Ce que tu n'as pas encore écouté, ça est dans ta Bible. Faut méditer toi-même, tu vas écouter pour changer. Ne vous prenez pas à l'écoute de la parole. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que vous avez vous-même des raisonnements pour contredire la parole de Dieu. Vous avez vous-même des raisonnements, des choses pour contredire la parole de Dieu. Pourtant, quand on va à l'évangélisation, que des gens aussi sont des raisonnements pour contredire la parole de Dieu, ça nous fait mal. C'est la même chose. C'est la même chose. Tant que toi aussi, tu contredis la parole de Dieu, et aussi contredis. Vous avez des raisonnements pour mettre la parole de Dieu ici, ici. Vous n'êtes jamais sincère. Ne vous réponds pas. On dit femme, pas de traces, mais vous avez caché souvent voile, des traces. On dit, je vais te briser. Toi, tu vas aller au ciel. On te dit qu'on vient si on coupe les cheveux. Mais toi, tu dis, tes cheveux là, tu ne peux pas couper. Tu ne peux pas couper. C'est que tu ne décides pas aller au ciel. Tu vas l'enfer. Tu t'as payé tu l'as pour porter. Et puis, tu dis, non, c'est qu'elle se bâche. C'est qu'il rentre. Toi, tu ne connais pas la différence. Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu trouves des choses, des bons noms pour donc camoufler le péché, pour embellir le péché, pour rendre le péché beau? Dieu ne plaisante pas, il ne joue même pas, il sait que tu désires aller au ciel, mais ton cœur est mauvais, ton cœur n'est pas encore lui.
c'est le moment de pleurer sur son sort. Pleurer sur son sort et de ne pas se concentrer sur les réseaux sociaux. Tout ce qui ravage les réseaux sociaux. D'abandonner. Faut casser l'écran de ton téléphone. Faut payer le petit pour téléphoner une puce. Parce que tant que vous n'avez pas encore pris là-bas, vous n'êtes pas encore satisfait, c'est les réseaux sociaux qui vous inspirent et la parole. Tu lis la Bible à cause des réseaux sociaux, tu ne comprends plus la parole à cause des réseaux sociaux. Changement. Changement. Tu n'en vas passer des dizaines d'années. Des dizaines d'années. On parle de même chose à l'échelle. Quel grand thème qu'on doit prêcher encore. On doit te montrer le deuxième siècle. On doit démontrer le troisième siècle par la parole du Seigneur. C'est le changement total. C'est le changement. Tu vas prier le Seigneur, tu vas demander au Seigneur Jésus de venir te laver. De te laver. Ce matin, il a bien exposé ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Viens laver mon cœur, viens ôter de moi ce qui est encore contre toi. Prie le Seigneur Jésus et demande au Seigneur de venir ôter de ton cœur tout ce qui ne l'honore pas. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Prie le Seigneur qu'il vienne ôter et qu'il te purifie. Seigneur mon Dieu, le fait que j'ai même soupçonné le mal, la parole dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Mais voici que moi, j'ai soupçonné le mal dans la vie de mon frère, j'ai soupçonné le mal dans la vie de ma soeur. Jésus, je te prie, je ne veux plus jamais te plus jamais. Et je veux que tu me laves. Que tu me laves, 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 que tu me purifies. Seigneur, lave mon cœur. Éternel notre Dieu. Seigneur, lave-nous entièrement. Seigneur Jésus, lave-nous Jésus. Jésus. Donne-moi ton cœur, je ferai de ton cœur.
disposé. Donne-moi ton cœur, je ferai de ton cœur un cœur bon, oui, pour toujours. Donne-moi ton cœur. Une année, tu vas te redresser. Tu vas t'asseoir en la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 18. À partir du verset 5. Il dit, l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, c'est-à-dire quand tu empruntes quelque chose, tu rembourses, qui donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tue point d'usure. Tu prêtes à intérêt, c'est-à-dire quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu veux qu'on te rembourse avec 5% d'intérêt. Tu lui as donné 10 000, tu veux qu'il te donne 15 000 francs. Qui ne détourne sa main, ou qui détourne plutôt sa main de l'iniquité, et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances, en agissant avec fidélité, celui-là est juste. Il vivra, dit le Seigneur. Et ailleurs encore, le Seigneur dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu es en train de soupçonner le mal dans la vie de ton frère, sache qu'il n'y a pas d'amour dans toi. Si lorsque tu apprends une nouvelle au sujet de ton frère, qui est une nouvelle mauvaise, et que tu te réjouis dans ton cœur, c'est qu'il n'y a pas d'amour en toi. Tu n'as pas d'amour en toi. Alléluia. Même un fou vient te demander à manger. Mais tu dis non, j'ai réservé ça pour quelqu'un. Et que tu ne lui donnes pas à manger, c'est que tu es méchant. Tu n'as pas l'amour en toi. Avec le Seigneur, on ne fait pas de réserve de nourriture. Le premier venu, c'est celui qui mange. Si tu as esprit de parti en toi, bien-aimé, tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur Jésus. Si tu n'es pas en train de piller ton frère, pour qu'il se manifeste dans sa vie l'amour, comme l'amour qui est en toi, mais que tu es en train de fouiller dans ses hommes pour voir la sainteté, et puis cela soit cause de sa moquerie, bien-aimé, il n'y a pas d'amour en toi. Seigneur ne te connaît pas. Jésus ne vient ne sauve pas. Je vous dis, l'église Jésus ne vient ne sauve pas. C'est un pan qui nous est donné afin de connaître la vérité, afin de connaître comment nous devons pratiquer la parole du Seigneur.
tu es maintenant jeté la minute et que tu sois en robe géante, ça suffit pour te sauver, tu as menti. Si tu penses que toi, garçon, tu as abandonné la copine, mais maintenant ta nouvelle copine, ce sont les querelles qui sont dans ton cœur. Tu médites sur sa joue la nuit. Bien aimé, le salut ne t'est point donné. Si tu as bien dit non, tel frère n'est pas venu me rendre visite, tel autre n'est pas venu me voir, il ne m'a pas donné ça, il ne m'a pas fait ça, il a donné tel à tel, il n'a pas donné tel à l'autre, alors il n'y a pas d'amour. Si tu as bien soupçonné ces choses, bien aimé, tu es mal paré. Mal paré. Esprit de parti n'a pas sa place dans la maison du Seigneur. Tous les serviteurs que Dieu a établis dans ce monde, même quand nous sommes en train de dire qu'ils ont ça, ils ont ça sur eux, mais dans notre cœur, nous ne portons pas de haine contre eux. Parce que nous ne luttons pas contre la chair. Nous ne luttons pas contre le sang. Même dans ton évangélisation, il y a colère dedans. Bien aimé, le Seigneur ne te connaît pas. Alléluia. Maranatha. On s'assoit. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. En ce matin, vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé même. C'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes dans l'assemblée des saints, disposez-vous. Dispose-toi. Alléluia. On veut aller au paradis. Amen. Quand tu viens voir Jésus un jour, toi, tu veux le voir comment il est, comment ses cheveux sont, comment son habit qui porte la haine. J'ai toujours dit, tu vas aller au paradis là, c'est pas si coco. Ou bien t'arrêtes. Où vous êtes assis 200, de près de mon paradis. Il n'y a pas ça là-bas. Prépare, Jésus. Prépare ton cœur. Vous avez entendu, non? Prédication, nous qui étions de nous, je dis même la main, ça a raté. Je me suis dit, allez descendre, je dis comme la dit dimanche là, allez descendre encore, même chose. Mais ton cœur, comment? Ton cœur au noir. Il y a de la pourriture dans ton cœur. Voilà sa poubelle. Il y a de la pourriture dans ton cœur. Hypocrite. Pharisien hypocrite. Adorons le Seigneur. Mais ton cœur noir. Il est vivant, il n'est pas mort. Ton cœur noir. Vous avez entendu? La prédication de Dieu là. Le Seigneur voulait descendre. Pour bénir tous ses enfants. Ceux qui étaient là dimanche là, ils ont vu un peu. Donc la promesse de dimanche là, c'est un sort où Jésus là, le Seigneur veut donner. Mais il voit que ton cœur est noir. Il voit que ton cœur là, il y a encore de l'hypocrisie dans ton cœur. Tu vas aller au ciel et ça. Tu sais, t'es passé. Professeur, ce mec, commissaire, c'est qu'il est 36 mois. Il est 36 mois. Moi, mais il est 30. Je regarde dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde qu'est-ce que j'ai fait.